Jacob. 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 Allez, on doit y aller. Mouille, ça continue de tomber. La prison a été construite. Il y a un ascenseur pas loin d'ici. On peut le prendre jusqu'au centre de transport et puis traverser la colonie pour retourner à Black Iron. Quoi, y retourner? Non, y a pas moyen. On a failli crever juste pour essayer de sortir de Black. On n'est plus là pour s'échapper, Jacob. Alors pourquoi? Plus maintenant. Pourquoi on est là? Des réponses. Pourquoi le directeur vient d'abattre un de ses vaisseaux? J'en sais rien. Et c'est quoi le putain de lien avec Europe? C'était censé être juste un autre contrat. Mais ça, c'est du délire. Je sais. Mais est-ce qu'on a un autre choix? Allez, viens. Cette zone n'est pas sûre. Ok, c'est parti, nouveau chapitre. Je crois le sixième, mais j'en suis pas tout à fait certain. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la première colonie? Abandonnée. Tout comme le reste de Callisto. Jusqu'à ce qu'ils construisent une prison. L'UJC doit bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, non? C'est bien le sixième. Le premier chapitre, c'est une mise en bouche, l'introduction du jeu. Elle dure 15 minutes. Surprenant qu'il y ait encore du courant. Ces vieux générateurs de fusion ont été construits pour durer. Ouais, il y a 8 chapitres au total, je crois. C'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. Mais je pense que c'est un truc à vendre. Convertisseur d'énergie, c'est ça. On va virer autre chose. Ou peut-être pas. Bah non, en fait, hein, on va rien virer du tout. Oh là là, Mona, comment t'as écrit autant pour moi? 10 coups de fouet. Wow. On dirait que le hangar est toujours en train de s'effondrer. Oui, l'ascenseur devrait être droit devant. Tu finis ce soir, normalement tous les streamers l'ont déjà fini. Je m'en fous des autres streamers. Je le finirai quand je le finirai. Sur la carte, il y avait une route de service. J'ai un métier, moi, monsieur. J'espère que ton plan va pas nous tuer tous les deux. C'est de pire en pire. On devrait se dépêcher. C'est ici, c'est ça? Ouais. Mais je vois pas l'ascenseur. J'espérais qu'on aurait de la chance. Mais cet endroit tombe en ruine. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. Alors trouvons-le. Allez, viens.
C'est bon, ça va. Merci. Je peux voir un autre chemin. Je te rejoins. Sois prudent. C'est pire que je l'imaginais ici. Non, Mona, techniquement, c'est pas français ce que t'as écrit. 3 streams et ses poubelles, ce genre de jeu. Ouais, quand on a un travail à mi-temps comme le tien, ouais. Aucun problème, hein. Un stream même. Hein. Ce truc va tenir. Essaie de pas y penser. Ça c'est quoi? Je crois que c'est les espèces de cellules d'énergie. Ouais. Bon bah ça je m'en fous. Même si c'est très utile. C'est elle. Je crois que c'est un robot. Bon, je peux pas courir là. Pas de yeux, ceux-là.
C'est mon cadeau. J'arrive pas à le ramasser, il est coincé là-dessous. Ah, c'est mieux ça. Oh, il y avait un truc pour empaler. Ah, en fait, quand je fais pas de bruit, il me capte pas. Ouais, ça j'aurais peut-être dû éviter. C'était quoi ça, Danny? Je sais pas comment, mais ces choses sont ici aussi. Mais elles sont différentes, plus anciennes. Elles réagissent au son. Si tu peux m'entendre, je vais essayer d'atteindre le centre de transport. Donc on va éviter d'utiliser le flingue. Hein. Est-ce que je changerai pas d'arme, d'accord. On va mettre celle-ci. Ils ont l'air particulièrement fragiles. Ou alors c'est mon perso qui a level up. Déplacez-vous en silence. Bah oui et non, j'ai envie de dire. Si on fait le ménage, c'est bon, non? Je dois rester discret. Ok. Docteur Xian Yun. Ah oui, j'ai pas les autres journaux encore. D'ailleurs, il y a certainement des enregistrements que j'ai ratés. Ça pourra valoir le coup de refaire le jeu pour compléter tout ça. En super difficile, évidemment. Ah oui, j'ai vu un streamer s'énerver sur ses messages, don't make a sound, parce qu'il trouvait qu'on était trop trop dirigé. Oh, honnêtement, moi, ça me dérange pas plus que ça. La scène où on voit le mec qui échappe justement de se faire attraper, parce qu'il fait pas de bruit justement, on comprend, effectivement. Mais il y a une espèce de lore à ce niveau-là, où... On peut supposer que les survivants, enfin les survivants, ils aient tagué sur les murs, attention quoi. Il y en a d'autres. Ah ouais, ils sont vraiment beaucoup en fait là. Est-ce qu'ils vont venir là? Il y a des chances. Pas entendu lui. Oh, il m'a touché. Comment ça se fait?
Bon. Ces monstres, c'est comme les trompettes de la mort, t'en trouves un, tu trouves tout le troupeau. Le personnage me fait penser à Gears of War depuis qu'il est en armure. C'est vrai, un mélange de Gears of War et de Dead Space. Forcément un petit peu Dead Space. Hein. Alors, il y avait un passage à droite, un ici, je sais pas par où commencer du coup. On se réveille derrière. Et par ici, ça m'a l'air d'être la suite. Putain, mais il y en a plein sur les murs. J'en entends un sur la droite. Je crois que j'ai pas assez de power là. Ah non, la jauge elle est vide. Pour le coup, comment ça s'appelle déjà le GPR ou je sais pas quoi, c'est utile sur eux parce qu'apparemment ça n'a pas éveillé de soupçons quand je l'ai utilisé tout à l'heure. Je peux pas voir s'il est de dos. Non. Pas a priori. En tout cas, ça c'est un bon moyen pour maîtriser la durée de vie, ce genre de séquence. Ça nous oblige à avancer lentement, enfin, oblige non, puisqu'il y en a qui doivent penser comme des grands malades. Salut Marvel, comment ça va? Il a pas l'air en forme lui hein. Là j'entends des bruits chelous mon gars. Il y en a un autre ici. Et évidemment un en face. Putain il y en a plein. Je sais pas si je commence par là ou de l'autre côté. Sur le deuxième coup quoi. Ah. J'ai pas réussi à esquiver. Oh
Oh, ça marche ça. Qu'est-ce que c'est? Du Riot Gun. Le Riot Gun, je crois que c'est ça. Hein. Yes. J'ai quand même l'impression que par ici c'est la suite, mais bon. T'as de la frustration à évacuer, Tox, tu leur laisses pas de chance? Non, moi je suis pas comme ça. Oh là là, c'est chiant cet inventaire plein là. Où est-ce qu'on vend? Il me faut un magasin de toute urgence là. Il se venge du jeu NES Tortue Ninja depuis 92. Bah écoute, c'est un jeu que j'ai terminé en fait, donc et je jouais sur Amstrad moi. Je crois que je suis revenu là. Ouais. Donc en fait, il me faut vraiment un magasin pour récupérer tout ce que j'ai laissé là. En fait. Let's go. Déconner. Le skill d'un homme? Ah non non, pas du tout. J'étais gamin quand j'y ai joué, j'ai pleuré comme un fou. Ça m'énervait de ouf. Ouais, le tableau sous l'eau, ouais. Je m'en souviens très bien de celui-là. Ah, trop d'objets, là.
Nuque. Consommer nuque. C'est pas tout à fait ça la phrase, mais je sais pas qui l'aura celle-là. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais les éjecter sur le machin. Là. Ça a plutôt bien marché. Marvel, peut-être, il semble avoir plein de refs. Peut-être. Oups. Quand il y a l'objet, c'est que c'est mort. Secret ici. Y a pas l'air. Hein. Je croyais avoir trouvé un truc, mais. Mais non. Ah, si, peut-être là. Si. Et si le mob s'agite après avoir lâché l'objet parce que le système nerveux, tout ci, tout ça. Non, non, y a pas de ça. Le système nerveux, c'est ciao avec mon arme. C'est bizarre que j'en entende derrière. Je l'ai pas vu celui de derrière tout à l'heure. C'est le seul ? On dirait. Hein. Non, il y a un pote à lui derrière. Ouais, bon, on va le laisser. Hein. De toute façon, mon inventaire est full, donc j'ai aucun intérêt à le buter. À part peut-être assurer mes arrières. Ouais, faudrait qu'il me donne des sous quand je suis full. C'est vrai. J'allais dire, mais il y a du monde là accroché. Putain, j'aime pas quand il s'avance autant. Ou de la santé, ouais, ça pourrait être bien. Il a l'air d'en avoir un paquet par là. Ouais, y'en a un là. J'arrive pas à voir la tête. Pour la ref, c'était Robocop 2. En fait, dans Robocop 2, il s'injecte une espèce de drogue qui s'appelle le nuque. Et ça me fait penser à ça quand il se soigne le personnage là. Parce que justement il se pique au niveau de la nuque quasiment, au niveau du cou. C'est quoi ça? T'as un soin? Plan du pistolet tactique? Mais attends, mais... C'est nul ça, ça se met même pas dans un inventaire particulier? Ah, c'est relou, j'ai pas envie de jeter ces trucs là quoi. Le truc à la con.
Jamais vu ni le 1. Ah là là. C'est trop bien Robocop. Ça remue en bas en tout cas là. Mais... Je sais pas si je retourne en arrière pour récupérer tous les objets après. J'ai vu qu'il y avait un magasin en bas là. J'hésite. Ça ferait un gros gain mais est-ce que ça en vaut la peine? Le système de visée des fois c'est pas ça hein. Le truc il est tout à droite, tu dois revenir à gauche, il se met pas automatiquement là où il est censé se mettre. On court pas dans les conduits. Oh merde, mon truc à la con. J'ai pas fait attention à ce qui est. Bah alors. D'habitude, je spam triangle, ça suffit ça. On n'a pas changé d'arme. Je suis allé trop vite, je pense. Putain, mais j'ai pas pu enchaîner le troisième. Oh là là, relou. Par contre, ils sont beaucoup plus faciles à tuer depuis qu'on a le truc qui pète les membres. En gros, on leur casse un bras et après, ils peuvent faire plus qu'une attaque. Donc, ça évite de se poser la question, est-ce qu'il va me mettre deux ou trois coups? Allez, c'est parti pour ça, là. L'UJC est là pour vous. Bon, il y a un tas de trucs à vendre. Ouais, vraiment un paquet. Hein. On va vendre les stocks complets. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Allez, je récupère les objets que j'ai laissés. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs là? Un soin, est-ce qu'il y en avait d'autres? Je veux être sûr de pouvoir tout ramener d'un coup, j'ai pas envie de faire un aller-retour encore. Donc je vais vendre le soin aussi. Paramètres normaux. D'ailleurs, je peux déjà améliorer les trucs.
quoi ça? Augmente la probabilité d'une visée à la tête automatique après la après une fin de combo. C'est pas mal ça. Allez hop. Inspectez l'élément imprimé avant utilisation. Assurance qualité effectuée. Assurance qualité. Pour mettre des coups dans la gueule, ouais. Ça j'ai pas assez, mais sur le retour on pourra. Et il y a une amélioration pour autre chose. Ou alors c'est une nouvelle arme, le machin tactique là. Je sais pas. Tu aimes la batte de baseball? Bah oui. Mais c'est surtout que c'est l'arme qu'on utilise le plus finalement. Je me dis à la manière de Dead Space que la première arme c'est celle qu'on va garder jusqu'à la fin. En fait, moi sur Dead Space, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense comme la plupart des gens, c'est que j'améliore la première arme au maximum, le cutter plasma. Parce que c'est la plus efficace finalement. Bon, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a peut-être du respawn. Oui, je l'avais oublié celui-là. Ça gigote là-dedans. Ah, je vais peut-être pas pouvoir remonter en fait. Ah non, je suis pas monté. Je suis arrivé d'ici, c'est vrai. Non. Non, je vais pas pouvoir remonter en fait. Ah, c'est naze. Le nombre d'objets que j'ai laissés en fait. Parce que je pouvais pas les ramasser. Bon, bah, c'est comme ça. Tiens, tiens. C'est la vie, quoi. En fait, le machin où on peut vendre, ils auraient dû le mettre au tout début de la zone, puisqu'on arrive avec plein d'objets finalement, vu qu'on s'est tapé tous les monstres sur la zone de glace. Faites votre sélection. Alors, plan du pistolet tactique, très bien. Pistolet tactique, ok, apprécié par les anciens officiers militaires pour son faible recul et sa cadence de tir élevée. Ouais, mais nous on veut de la puissance. On veut des dégâts, quoi. Ouais. Je suis pas convaincu par leur pistolet, hein. Hop là. Et on va prendre ça. Toute utilisation non autorisée de cet élément sera enregistrée. Je crois que j'ai dépassé le seuil de non-autorisation. Alors, c'est combien de balles maintenant dedans? Le double, impeccable. Tu vas aimer les prochains, t'inquiète. Ben, j'espère. Merde, j'ai couru. Oh le naze. En fait, j'ai appuyé sans faire gaffe. Tu es là. Est-ce qu'il y a un passage ou pas? On peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il me veut l'autre avec ses mains pleines de doigts là? C'était moi une.
Attention. Il y a plein de pustules là-bas. Et il y a plein de trucs pour jeter les monstres dessus. Ah, je rêvais pas. Il fait froid dans la zone apparemment. Oh attends, je vais pas me faire avoir par ce truc là. Je vais l'éclater tout de suite maintenant. C'est pas ça. Ça va peut-être les réveiller mais c'est pas grave. Je me casse, ciao. C'était pas la bonne idée ici. Que je les mette là-haut parce que je pourrais pas les looter. Ah ouais. Ouais, ça va bien se passer. Ah, le loot il tombe. Parce que là il faut que je les tape, tu vois. Au pire j'ai le petit flingue hein, pour tirer dessus pour faire tomber. Je sais pas si ça marche. Bon, en tout cas j'aurais tenté. Putain, mais il y avait ça, je suis trop con. J'aurais pu les faire exploser. Ça grouille là. Journal de mission. Complément au journal de mission. Docteur Yu nous rapporte. Ils sont arrivés de nulle part et ont tué Sani et Warren. Ils ont dû s'échapper d'Arcas, piégés pendant des décennies. Après avoir évolué, s'être adapté, ici dans l'obscurité. J'ai contacté Malheur et demandé une évacuation immédiate. J'espère qu'elle enverra vite de l'aide. On sait pas s'il est en ville, monsieur. Ah, je sais maintenant pourquoi tout à l'heure je suis mort avec ce truc là. C'est parce que quand il m'a attrapé, il m'a ramené juste à côté de lui. En fait, c'est pas un nombre de coups qu'il met. Il nous tire tout simplement. Ça a du sens. Bon, on va quand même se soigner. C'est vraiment les pires ceux-là.
Alors, il y a une caisse là-bas. De toute façon, c'est le bon chemin, apparemment. Génial. Il est où l'objet là? Putain, c'est chiant ça. Bon, tant pis. Ah bah il est là. Il est pas un peu différent celui-là? J'aurais dû l'éjecter tout de suite dessus là. Ah, je peux pas le kill en mode discret celui-là. Ça marche pas. Il veut pas me donner mon dû. Ah, je me disais aussi. J'en entends un. Salut gars, ça va très bien et toi? Il s'est retourné un moment. Je sais pas s'il va le refaire. On n'a pas son temps. Hein. Ça va? Tu profites de la PS5 mec ou quoi? Il y a l'air d'avoir du monde là. Il y a surtout un fêlé qui est en train de courir dans les conduits là. Et là, il n'y a rien pour les empaler. Hein. On va les laisser passer. Je pense qu'ils font le même circuit. Ou pas. Faut que je fasse gaffe à ces boulettes là. Pas envie de me faire attraper encore. Ah, t'as pris Horizon aussi? C'est cool ça. T'as testé le jeu gratuit Astro? Il est incroyable celui-là. Ah bah si, on a des pics. Oh.
Oh, j'ai fait une boulette, j'aurais jamais dû faire ça. T'as pas reçu ta PS5, Yann? Pourtant, je l'ai envoyé. Ça fait une semaine. À mon avis, la poste a perdu le colis. Hein. Perdre, entre guillemets. Hein. Bon, finalement, ça s'est bien passé. J'ai cramé plein de munitions, mais c'est pas grave. C'est le but un peu. Hein. Merde. Si j'ouvre ce menu, ça va pas le faire. Hein. Merde, j'ai heurté le coche. Elle a été perdue pour tout le monde. C'est des choses qui arrivent. Mais encore. Oh. J'ai même pas fait exprès de le tuer. J'étais en train de spammer X pour looter là. Est-ce que ceux-là je les ai lootés? Bah non. Sûr qu'il en reste là. J'en avais pris deux, mais j'en ai revendu une pour rembourser le trajet. Bah alors il sort pas? Je sais qu'il y en a un là. Ils sont quand même très reposants ces ennemis, je pense que les prochains vont être maxi violents. Parce que là on peut se permettre quelques petites folies. Ils sont pas spécialement résistants donc voilà quoi. Alors, trouver la carte d'accès des tunnels d'alimentation, évidemment off course. Ça va, on a encore de la place. Et ça je pense que c'est un truc qui... Non, il est pas assez gros celui-là. Je sais rien en fait. Avec mes amitiés. Oui, ça fait penser au claqueur, effectivement. C'est exactement ce que je me suis dit quand je les ai vus. En fait, quand ils passent pendant la séquence, juste à côté de ta tête.
Qu'est-ce que c'est dégueu ces machins. Ouais, les mobs qui sortent du décor. C'est un petit peu différent sur The Last of Us, mais ça ressemble pas mal. Ah. Bon, une fois qu'ils en mettent un pas trop tard. Centre de transport. Tous les systèmes sont opérationnels. Paramètres normaux. Bon, on n'a pas grand chose à vendre cette fois. Balle explosive. En vrai, le flingue sur ceux-là, ils sont très bien. Pour péter les jambes, c'est pas mal. Ça, je pense que je vais pas l'améliorer tout de suite. Ouais, je pense que je vais améliorer le flingue avec les balles explosives. Ou alors, que je préfère la petite matraque. À voir. Je dirais que ça va me mener à la colonie. J'espère que Danny est là-bas. Merde, y a pas de courant. Ces câbles, ils doivent mener un générateur. C'est bizarre, c'est rouge quand je m'approche. Sinon, ils sont bleus. C'est quoi l'arnaque ? Curieux. Faut peut-être les alimenter. Les alimenter. Dis rien, Mona. Tu l'as pas pris Callisto Protocol, gars? Putain, l'ouverture de la porte n'était pas tout à fait fluide, hein. Ça fait un truc bizarre, là. Alors, par là un tunnel. Bon, de toute façon, il faudra revenir à la plateforme, donc là, je peux me permettre d'aller un peu où je veux. Tu vas calmer un peu le budget cette semaine? Mais attends, sur une lancée pareille, tu vas te calmer? Mais non, j'y crois pas un instant. C'est un peu dommage pour deux, mais bon. D'ailleurs, ça se voit que Tox a plein de PS5, ça lui sert d'isolation, il est en t-shirt chez lui alors qu'il fait zéro. Je t'avoue que chez moi, il fait assez frais. Mais là, ça va. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude. Mais j'ai les mains gelées, hein. Faut pas croire. Ouais, je savais que j'aurais dû le garder, le machin. Il y en a partout, là. Par contre, là, sur PC, tu dois te faire plaisir, parce que pour faire un demi-tour sur PC, pour les coller là-dessus, c'est ultra easy, à mon avis. Hein. Mais là, avec la manette, je peux pas augmenter la sensi, parce qu'après, ça va être une merde pour jouer
sur la visée. D'après Horizon 2, Tales of Arise, God of War et Miles Morales. C'est quand même 4 bons jeux. J'ai pas fait Horizon 2. Merci. J'espère qu'il va pas jusque là. Non, c'est bon. Je vais attendre que le troisième passe. Et les autres, je vais les empaler, je pense. C'est bien, ils suivent une ligne. Ça, c'est un peu dommage quand même. Parce que du coup, ils sont prévisibles. Ah oui, tu t'es servi d'un bon d'achat il y a 6 mois pour les deux autres. Attends, t'as des jeux PS5 depuis 6 mois, c'est ça que tu veux dire? Ah, il y avait deux chemins pour se rendre ici. Quel intérêt. Hop, hop, hop. J'arrive pas à l'attraper. Oh le con. Il y en avait qu'un apparemment, j'ai du bol. J'ai rien dit. Il y a du bruit mais je sais pas où. Ouais, je comprends mieux pourquoi tu pestais pour trouver une PS5. Mais bon, c'est parce que tu la voulais pas aussi. Si vraiment tu la voulais, VPC quoi. Ils sont beaucoup quand même, hein. Bon, est-ce que j'essaye de le coller au mur celui-là aussi? Il commence à y avoir un peu trop de manteau là. Allez, viens là. C'est beau. Une belle brochette, ouais. J'en entends un autre. Ah mais il est là. Il y en a un autre à gauche.
Oh mais y en a pas qu'un. Y a pas un explosif par là? Ouais, la bouche d'aération là. Bah, c'est pas une aération d'ailleurs. Ça sent, mais alors pas du tout. Et j'ai plus d'énergie pour le truc. Autant que ça serve. Alors, on va essayer de faire ça très très vite. Voilà, comme ça j'utilise pas trop de pouvoir. Ouais, j'ai vidé quand même la jauge. Hein. C'est-à-dire que je l'ai pas réellement amélioré, je crois. Si, si, j'ai plus de place, oui. Ah oui, c'est ce que tu voulais dire, t'as plus de place, oui. Avec l'armure qu'on a récupérée, là, on a débloqué 6 slots supplémentaires. On a dû attendre le chapitre 4, je crois, pour ça, quand même. Est-ce que c'est par là? Non. Ah, j'en étais sûr. L'UJC est là pour vous. Alors, on va vendre. Ton pote Mona, il fait pareil, il vend autant de trucs ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est le seul moyen de réellement faire des thunes en fait. Hein. Je vais prendre ça pour qu'il se recharge plus vite. Le perso paraît plus balèze. Ah bon? Il me reste une arme à débloquer apparemment. Les petits stocks de munitions, oui, et les batteries aussi. Je préfère vendre en fait le gros stock de munitions, celui qui est plein. Parce que si jamais j'en trouve d'autres en cours de route, ça fait pas tout de suite un deuxième stack. C'est un truc pas bien ça, non? D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait, je crois. Bon, j'ai un doute. Oui, je l'ai déjà fait. Ah oui, il est plus équipé, oui, ça c'est sûr. Ok, voilà le générateur. J'ai trouvé le générateur. J'espère qu'il fonctionne toujours. Je pense que tu devrais te focaliser sur une seule arme et revendre le reste. Bah, c'est tellement aléatoire les munitions, mais c'est vrai que sur Dead Space c'est ce que je faisais, mais je suis pas sûr que ça s'applique dans celui-ci. Je le ferai peut-être dans une partie, tu sais, genre en hard, mais là j'ai envie d'essayer un petit peu tout pour être tout à fait honnête. Ça gratte en bas. Hein. Y a quelqu'un qui se déplace en latex. Mmh.
Il voit cela ou pas? Je crois que je peux pas les... Oh merde. Ouais. Oh merde. Je reviens en arrière. Je me demande si je vais pas éclater cela. Ah mais c'est pas un passage, d'accord. Parce que peut-être quand je vais revenir, ils vont m'agresser. Mais est-ce que je vais revenir ici seulement? Il y en a quand même 4. Peut-être 5. Ouais, 5. Oui, il y a plus d'ennemis que dans Dead Space, mais dans Dead Space, tu peux pas vraiment attaquer au corps à corps. C'est plus un moyen de se dégager. Même s'il y a des séquences où ça sert quand même énormément. Putain, je sais jamais si c'est un truc qui va m'attraper, ça. J'arrive pas à les différencier, en fait. Ah non! Il chie, celui-là, là. Allez, trace-toi, là. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Pourquoi il marche? T'es con, toi? Mais non, je crois pas. Voilà. Et barrez-vous, les gars. Ils ont rêvé, eux. Cordialement. Il y avait un explosif. Attends, je suis avec quelle arme, là? Avec le petit gun? Ah non. Il est beaucoup plus sombre que Dead Space aussi. Hein. Est-ce que c'est un truc pour revenir, ça? Je vais d'abord aller là-bas.
Là, il y a le générateur. Ah oui, d'accord, c'est ici que ça se passe. Tous les systèmes sont opérationnels. Paramètres normaux. On va vendre un soin. Là, je vais vendre le petit stack parce qu'il est vraiment trop petit. Pareil pour celui-là. Verrouiller, verrouiller, ok. Mais c'était sûr! Trois disjoncteurs sont connectés au générateur. Bon, je vais prendre ce chemin, voir ce qu'il y a là. Je pourrais pas remonter. Et je me demande si c'est pas un chemin que j'ai déjà pris. Comme je sais pas si je pourrais remonter, je vais pas passer par là. Enfin, si je devais refaire le jeu, je saurais même pas quels endroits on peut prendre sans avancer entre guillemets dans le scénario. Pour les petits secrets quoi. Alors, il y a un truc là-bas, mais ça descend ou pas ? Non. Oh, il y a des trucs pour empaler, on va se faire agresser là. Ah mais ils sont en bas. Ok. Ah mais c'est des malades. Arrêtez de courir! Derrière moi. Ah, il est rentré. Non, ils sont en dessous là. Bon. Oh, ils viennent ou quoi là? Ah,
pas décidé, les gars. Je sais pas si je peux l'attraper, l'autre. Mais comme je vais aller à celui-là. Il n'y avait pas d'autre chemin, je pense. Hein. Peut-être une échelle, mais j'ai pas fait gaffe. J'en ai pas vu, en tout cas. C'est qu'il fait tellement sombre. Faites votre sélection. Mais attends, comment j'ouvre le reste là? Est-ce qu'il faut que je remette un coup de... de ce truc là? Non. Donc il y avait bien un autre chemin, je pense. Ouais. Il doit y avoir une échelle que j'ai ratée. Ou je ne sais trop quoi. Ou peut-être que je peux descendre en mode barbare là. Ah, elle est là. Oula. Très mauvaise idée de se mettre là, mais bon. J'ai encore un peu d'énergie pour propulser un mec là. J'avais pas le choix là. Merde, pas assez loin. Oula. Perdre le fil. Ok. Il y a du monde qui arrive. Merde. Oh, ça se fait qu'il arrive à m'attraper. On va pas pousser la chance trop loin quand même. D'où il sort lui? Allez, avance là, que je te cut.
Non, on va de l'autre côté, je t'assure que c'est mieux là-bas. Allez. Tu vois quand tu veux. Oh le filou. Bon. Moi je venais d'ici. Putain, il y avait encore un explosif. C'est dommage. En même temps, pour la récupérer là, c'était un peu coton. Hein. Je vais quand même faire un tour rapidos. Que dalle, c'est quoi ça? Useless. Ok, un petit raccourci pour descendre. Première vue. Le courant est activé. Il faudrait retourner sur cette plateforme. Le problème c'est que si là il y a des ennemis, je les entendrai pas. Jacob, c'est là ? Le courant vient de revenir dans la colonie. Renforce le signal. Oui, je t'entends. Je me dis. Je te contacterai quand j'y serai. Je dois rester discret pour l'instant. Évidemment, il y en a d'autres. C'était sûr en vrai. Et il y a l'air d'en avoir pas mal. Hein. Allez, tracez-vous là, j'ai pas que ça à faire les gars. Ah d'accord. Oh le truc renforcé par la lumière là. Putain il m'a feinté. Salut Az, comment ça va? Pardon. Allez, bouge-toi là. Ça va, je le ken juste à côté de son pote, il s'en fout. Là, ils peuvent pas juste se séparer un tout petit peu là. Sinon, tant pis. On y va, let's go. Ceux-là, je préfère qu'ils se transforment plutôt que je tire. Hein.
Là, je sais pas combien il y a d'ennemis aux alentours, alors... Ah, c'est ça qui fait ce bruit. Combien il y en a là-haut? Finalement, j'ai peut-être bien fait de pas utiliser ça. Non, t'inquiète, Az, c'est pas encore la fin. Il reste encore du chemin. Allez. J'ai pas fait ce chemin. Ben non, je l'avais pas fait. Ah, ben il est mort le monsieur. Je pense qu'Arcas, ça va être très très intéressant. J'espère en tous les cas. Ouais, j'ai failli passer à côté de ça quand même. C'était scripté, c'était prévu ainsi. Bon, il y a un chemin que j'aurais pas fait, mais c'est pas grave. Je vais pas me laisser surprendre derrière. Je préfère le ken. Oh. Trace quoi pour recharger mon gars. Putain, c'était juste. Je te le fais pas dire. J'avais même pas besoin de les ken en fait. J'ai hâte que tu fasses Outlast 2. Il fait vraiment peur. Alors, on peut acheter un petit truc.
Bah, ce sera ça. Toute utilisation non autorisée de cet élément sera enregistrée. Assurance qualité effectuée. Donc voilà, le petit gun, il est complètement upgrade. Ah, c'est un tir alternatif. Les armes améliorées avec le mode de tir alternatif offrent une plus grande puissance de feu, mais utilisent plus de munitions. Maintenez la touche L2 enfoncée. Regardez dans le viseur. Ok. Bon, on verra. Je me demande si ça améliorait aussi les dégâts de base. Oh attends, ici c'est sûr, il va y avoir du bordel. Ouais, on va plutôt repasser là-dessus. Vu ce qu'on me donne. Je sais pas si c'est un boss gars, mais je pense qu'il va y avoir de la violence un peu. Départ de plateforme de transit de marchandises. Prochain arrêt, station Argas. Là, je vais pas me prendre la tête avec le loot, mon pote. Hein. J'aurais pas dû essayer de tirer. Ça se passait bien là. Trace-toi là, mon gars. Oh putain, j'en ai plus. Attention.
Lui, c'est le boss. Il a arraché un bout. Il faut pas que je shoote la tête là. Le problème c'est que c'est compliqué. C'était facile hein. Mona elle en fait tout un foin. Attention, ne vous approchez pas du bord de la plateforme. Oh, il était costaud le bestiau quand même. Hein. Arden Jeddah. Plainte formelle de Alex. Superviseur Jeddah a donné à Jarika Obodiah tous les meilleurs quarts de travail. Je suis à la colonie depuis 3 ans de plus. Tous mes quotas et un joli arrive. Il ne reste rien pour les autres. Dégradation significative détectée dans l'implant de première génération. Jarika.